Mais la Chine est un pays immense et pour développer sa production, elle aura un besoin gigantesque de matières premières. C'est justement pour répondre aux besoins de l'industrie chinoise que ces deux hommes ont décidé de travailler ensemble. Dans une région éloignée de Chine, ils se sont associés pour produire un des nerfs de la guerre de l'industrie chinoise, l'aluminium. Zhou Jingxi et Alexandre Gomez se sont connus au Québec quand Gomez dirigeait une usine d'Alcan au Saguenay. Monsieur Zhou représentait QTX, une aluminerie d'État chinoise qui avait besoin d'Alcan.